concert avec brio. Quoi de mieux que cette œuvre symphonique de Modeste Moussorgski intitulée « Une nuit sur le Mont Chauve ». Cette pièce, redoutable techniquement, sonne pour un morceau de bravoure de cette soirée. Cette œuvre fut utilisée par les studios Walt Disney, notamment dans Fantasia. On y voit le diable s'emparer d'une colline, créant une agitation permanente dans l'orchestre. Ce n'est qu'à la fin de l'œuvre que le climat s'apaise. Vous y entendrez trois soli interprétés à la harpe par Mademoiselle Anne Frappé, Monsieur Luc Delosien à la clarinette et Monsieur Benoît Pochol à la flûte traversière. Sous la direction de Michel Novak, voici Une nuit sur le Mont Chauve.